Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je vais y arriver. On se retrouve donc pour un point lecture. Comme vous l'avez peut-être déjà vu ou pas, mais vu que je ne sais pas trop dans quelle heure je vais poster les vidéos, j'ai tourné un book haul juste avant, donc je suis exactement pareil, c'est normal. Je ne suis pas crado et je ne m'habille pas pareil tous les jours, rassurez-vous. Maintenant que ça c'est fait, on peut passer à la vidéo en question. Donc, on commence avec un abandon. Voilà, ça me fait toujours mal au cœur étant donné que ça ne m'arrive quasiment jamais. Donc, j'ai essayé, mais j'ai abandonné La guerre des mères de Kawhi Hart Hemmings. Pour moi, le roman est beaucoup trop cru. J'arrive vraiment pas à voir où est-ce qu'on va en fait. Enfin, où est-ce que l'autrice veut nous emmener plutôt. Et puis voilà, en fait je saurais même pas vous dire de quoi ça parle parce que j'ai vraiment arrêté à largement moins de 50 pages. Mais pour moi c'était vraiment trop cru. Le personnage principal, comment elle s'appelle déjà? Ellie, je crois. Ellie. Il me semble que c'est Ellie son nom. En fait, elle tient un blog si vous voulez et en fait, elle dit qu'elle crée des recettes par rapport aux histoires des gens. Sauf que le problème, c'est que, en fait, elle, je sais pas, je la trouve hyper indiscrète et hyper forceuse, en fait. Enfin, je sais pas, c'est bizarre, en fait. Elle convainc les gens de lui raconter son histoire. Enfin, leur histoire, du coup, et en fait, bah, elle va la raconter sur son blog à travers une recette. Peut-être qu'elle cite pas la personne, mais la personne peut quand même très clairement se reconnaître, et je trouve ça hyper indiscret. Bref, c'est pas la seule chose qui me dérange, mais voilà, je l'ai abandonné et je ne veux même plus en entendre parler. Ce livre m'a très clairement dégoûté, voilà. Mais après, si vous voulez vous faire votre propre opinion, vous pouvez toujours, hein, mais c'est vrai qu'en tout cas, il n'était clairement pas pour moi, ça c'est sûr et certain. Ensuite, j'ai lu les trois premiers tomes de La boîte à musique de JG et Carbone. Donc, on a le tome 1 qui est juste ici, donc qui est Bienvenue à Pandorian. Le tome 2, donc Le secret de Cyprien. Et le tome 3, À la recherche des origines. Je crois que c'est ma mère qui me les a offerts. J'ai hâte d'ailleurs de lire les deux derniers qu'elle m'a achetés il n'y a pas longtemps. Donc, on va suivre cette jeune fille, donc Nola, qui reçoit en fait pour son anniversaire un cadeau entre guillemets à retardement de la part de sa mère, parce que sa mère est décédée en fait suite à une maladie, je crois. Et en fait, bah son père lui offre une boîte à musique qui lui a appartenu. Et en fait, bah quand elle va tourner la clé de la boîte à musique, ou quand elle va s'en approcher, je sais plus, elle va voir une jeune fille à l'intérieur qui lui fait des grands signes et qui lui demande de l'aide. Et en fait, bah elle va rentrer dans la boîte à musique et découvrir le monde de Pandorian. Donc c'est un monde qui est vraiment magnifique. Il y a plein de créatures, il y a l'air d'y avoir de la magie, etc. Mais ça pourrait s'avérer être extrêmement dangereux pour elle, puisque les Pandoriens ne sont pas censés être au courant de l'existence du vrai monde, et inversement en fait. Et donc elle va reprendre le rôle de sa mère, donc qui est d'être la gardienne de Pandorian. Et puis voilà. Je vais vous montrer quand même vite fait les graphismes, mais j'ai vraiment adoré. C'est super. Voilà, franchement, ça fait pas du tout bébé pour du jeunesse. Enfin, c'est vrai que je le dis à chaque fois, mais des fois, il y a des romans jeunesse qui sont vraiment bébés, je trouve, parce que forcément, bah, c'est du jeunesse. Et c'est pas spécialement adapté à un public, on va dire, de 15 ans minimum. Et en fait, voilà quoi. Voilà, donc je vous en montrerai pas plus. Il y a actuellement 5 tomes, je crois. Enfin, en tout cas, moi, c'est tout ce que j'ai. Je sais pas s'il y en a un sixième de prévu, je verrai bien au moment de ma lecture de la suite, mais en tout cas, je vous la conseille vraiment. Elle est peut-être courte, mais je pense qu'elle en vaut la peine. Je sais pas combien sont les tomes, il n'y a pas marqué le prix derrière,
Mais en tout cas, voilà. Et ce qui est cool, par contre, c'est que contrairement à beaucoup de BD que j'ai lus, il y a vraiment un vrai fil conducteur entre les tomes. Voilà, c'est-à-dire que vous avez des petits rappels de ce qui a été dit. On a vraiment l'impression d'avoir la suite et non pas à chaque fois une histoire inédite avec les mêmes personnages. Pardon, excusez-moi, je crois que j'ai le hoquet. Ça va être pratique, tiens. Et puis voilà, et on découvre vraiment au fur et à mesure cet univers donc de Pandorian, et j'adore. Voilà. Je me répète, mais c'est pas grave. Ensuite, j'ai relu le tome 1 de Nevermore de Jessica Thompson, donc Les défis de Morrigan Crow. Hop, comme vous le voyez, j'ai fait mon histoire de mini-résumé qui n'est pas un résumé puisque là j'en ai 3 pages. Voilà, 3 pages qui ne sont pas recto verso. J'ai en vrai deux pages recto verso et une entière. Ça va. Donc, on va suivre Morrigan Crow, donc qui est juste ici, en fait, qui est née le jour du Mervillon. Donc, c'est une enfant maudite. Elle est vouée, en fait, à mourir le jour de ses 11 ans. Ouais. Donc, son cercueil l'attend déjà. Ce qui est fort agréable. En gros, quand vous êtes né le jour du Mervillon, on vous accuse de tout et n'importe quoi parce que comme vous êtes maudit, on dit que c'est vous justement qui engendrez le malheur des autres. Donc, une voisine que vous avez jamais vue a perdu une dent. Ah bah c'est votre faute. Et bah vous devez lui écrire une lettre et ou la dédommager enfin, avec de l'argent, etc. Oh, le voisin, son chat, il est mort. Ah, bah, c'est de votre faute, parce que vous êtes maudit. Enfin, voilà. Et en fait, rien ne va se passer comme prévu, parce que, donc, le jour de son anniversaire, déjà, qui arrive d'ailleurs 1 an trop tôt pour le nouveau Mervillon, un homme, va venir la récupérer et va lui proposer de venir à Nevermore pour intégrer, la société Wounds. Je sais plus exactement le nom, mais voilà. Wundrous, je sais plus, mais voilà. Et en fait, elle va passer des épreuves, donc d'où le titre, pour pouvoir y entrer et donc être vraiment sauvée, puisque elle entre évidemment illégalement à Nevermore. Et tant qu'elle passe les épreuves, elle est protégée par la loi, du coup, puisqu'elle est considérée jusqu'à preuve du contraire comme membre. Juste, elle a pas. Enfin, elle l'est pas réellement, mais si vous participez, c'est tout comme. Et en fait, voilà. Et franchement, j'ai adoré ce roman. La pauvre Morrigan m'a vraiment fait de la peine du début à la fin. Je pense que j'ai bien fait de le relire et de me faire des notes, tout simplement parce que du coup j'avais aussi lu le tome 2 que j'avais clairement pas aimé, tout simplement parce que je ne me souvenais de rien du tome 1, donc j'étais complètement perdue et ça m'énervait et je sais même pas d'ailleurs si je l'ai lu jusqu'au bout, donc c'est pour vous dire. Donc là, évidemment, maintenant, je ne prends plus de risques et je fais ça maintenant quand je sais que je risque de ne pas lire tous les tomes d'un coup, entre guillemets. Franchement, j'ai bien fait parce que c'est beaucoup mieux, je trouve, de faire comme ça, enfin, en tout cas pour moi. En vrai, ça date un peu, mais j'ai cru comprendre qu'il y a un quatrième tome qui serait peut-être en cours d'écriture. Je sais aussi que ça a surpris pas mal de personnes parce que pour beaucoup c'était déjà fini au tome 3. Donc peut-être un hors-série, peut-être je sais pas, une vraie suite, j'en ai aucune idée. Mais voilà, en tout cas pareil, si vous ne connaissez pas, même si ça m'étonnerait vu qu'on en a quand même pas mal entendu parler, je vous conseille de le lire. Sachant qu'à Nevermore, rien n'est banal, on va dire, puisque comme vous le voyez, par exemple, vous avez un chat géant qui s'appelle Fenestra. Il se trouve que c'est la femme de ménage de l'hôtel dans lequel va vivre du coup Morrigan, donc qui est tenue par cet homme mystérieux qui la récupère. Et puis voilà. Et enfin, pour finir, j'ai lu, alors là, je vous montre le livre en papier.
En vrai, je l'ai surtout lu en numérique avec du coup l'application Next Story. Donc, c'est pas une sponsor ni rien, comme je l'ai dit dans mon book haul. Mais juste, j'en ai pas mal entendu parler. Donc, actuellement, j'utilise l'essai gratuit. Donc, voilà, tout simplement. Et puis au boulot, c'est vrai que c'est plus simple de se balader avec son portable plutôt qu'avec un gros bouquin dans la poche. Donc j'ai lu le premier tome des Étoiles de Knockhead de Sophie Jomain. Donc là évidemment je vous montre la version illustrée, donc en hardback. Donc c'est clairement pas la même couverture que les autres, sachant que je m'achèterai peut-être le tome 2 donc dans cette version-là. Mais ça s'arrête au tome 2, ce qui est vraiment dommage. Donc ils n'ont pas été plus loin. C'est dommage, mais bon écoutez. Donc en gros on va suivre Anna donc qui va sur ses 18 ans, donc elle les aura pendant les vacances d'été. Pendant ses vacances, elle part avec ses parents rejoindre leur grand-mère en Écosse, donc qui y habite. Elle est donc franco-écossaise, je crois que c'est l'Écosse. Au pire, Écosse, Irlande, etc. Pour moi, ça revient tout au même. C'est des pays magnifiques où il y a tout un tas de légendes. Donc, au pire, si c'est pas ça, c'est pas grave. De toute façon, on ne le mentionne que 2 ou 3 fois dans le livre. Donc, voilà. Elle n'est pas très très contente parce que du coup, 18 ans, ce n'est pas rien. Et en fait, elle aurait préféré rester à Paris, là où elle a tous ses amis. Surtout que là où elle va, donc dans la petite ville de Wick, c'est clairement un trou paumé. En plus, le manoir de sa grand-mère n'est pas du tout au village. Voilà, il faut prendre ville-village, je sais plus. Mais bref, n'est pas du tout à Wick. Il faut 10 minutes de route environ. Elle n'a pas le permis ni rien, donc ça la saoule déjà d'avance. Et en fait, là-bas, elle va faire la rencontre de Lace, donc un jeune homme qui va lui sauver la vie à 2 reprises. Enfin, c'est pas vraiment qu'il va lui sauver la vie en vrai, c'est juste qu'il va l'aider à 2 reprises. Voilà, elle va. Et puis, il y aura peut-être une petite romance entre les deux. Voilà, je ne dirai rien. Tout simplement parce qu'elle craque sur lui dès le début. Donc, en vrai, voilà. Ensuite, elle va rencontrer aussi Gwen, donc qui tient une librairie spécialisée dans les livres occultes, les légendes, etc. Elle va y retrouver un de ses amis, un de ses meilleurs amis, je sais plus trop. On le voit très peu, en tout cas dans ce tome 1, donc c'est pas bien grave au pire, qui s'appelle Davis, je crois. C'est un peu grâce à lui qu'elle va pas trop s'encrotter et se faire chier pendant ses vacances, voilà, parce que il va assez régulièrement l'emmener visiter des choses, passer du temps avec elle. Donc voilà. Donc je vous le dis, par contre, c'est très clairement de la bitlite, voilà. Si le côté hormone plus plus, I am the alpha, etc. Vous dérange. En vrai, je vous dirais pas spécialement de fuir parce que franchement, ça va. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus tout le long du livre. Certes, c'est quand même pas mal présent à certains moments, mais pas tant que ça finalement. Oui, je vous l'ai pas dit, mais je vais lire directement la phrase qui est marquée derrière. Dans ce livre, du coup, les légendes sont parfois plus réelles que l'on ne croit. Et voilà, tout simplement. Oui, parce que si je vous parle de Bitlit avant de vous expliquer ça, bref, vous avez compris, c'est l'essentiel. Donc je vais vous montrer en vrai quelques illustrations quand même parce qu'elles sont super jolies. Si j'arrive à attraper, voilà. Donc là, par exemple, vous avez un œil. Vous en avez en vrai à pratiquement toutes les pages, et puis même celles où vous n'avez pas d'illustration, vous avez ces espèces de trucs fleuris qui sont super jolis. Attendez, je vais essayer de vous trouver une page comme ça pour vous montrer. Parce que du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que voilà, c'est que du coup, je l'ai lu en numérique, Je feuilletais du coup vite fait les chapitres que j'avais déjà lus pour voir s'il y avait des illustrations
particulière, on va dire, et puis voilà. Et ce qui est cool, c'est qu'à la fin, évidemment, du coup, je ne vais pas vous les montrer, mais vous avez des petits croquis que l'illustratrice a failli jeter, et vous en avez quand même pas mal. Donc, en vrai, c'est cool de voir ça à la fin du livre parce que ça vous rappelle des petites scènes comme ça. Et puis, franchement, j'adore, c'est génial. Alors, je crois que je vous ai dit que j'allais finir avec ça, mais en vrai, oui et non. Je passe rapidement, pareil, avec Next Story, toujours. J'ai écouté pour la première fois un livre audio, donc je vous mettrai la couverture juste ici, pareil. J'ai écouté Plus égale plus de Léna Situation. J'ai plus le titre exact, mais c'est son truc de Plus égale plus. Je crois que c'est un truc du genre toujours plus, je sais plus. En tout cas, il était super rapide à écouter. En plus, je sais pas si c'est le cas du coup pour toutes les versions audio. Moi, en tout cas, celle que j'ai écoutée avec Next Story, c'était du coup lue par Léna elle-même. Personnellement, je ne la suis pas spécialement sur les réseaux YouTube ou autre. Je suis tombée sur son livre. Donc, tant qu'à faire, je me suis dit, allez, vas-y, surtout pour 2 heures d'écoute. Pire, je perdais pas vraiment mon temps si j'aimais pas. Et en vrai, j'ai quand même pas mal apprécié. C'est un livre de développement personnel où elle vous explique sa méthode plus égale plus, voilà. Elle vous donne des conseils et elle base certaines choses du coup sur son vécu, sur ses expériences personnelles. Elle vous donne aussi des petits exercices à faire. Et franchement, je me suis reconnue dans quand même pas mal de situations. Elle a décrite d'ailleurs je m'y attendais pas du tout parce qu'on a clairement pas la même vie. Enfin, je veux dire, elle a commencé à bosser dès qu'elle en avait l'âge, etc. Bon, c'est un peu pareil, mais je veux dire, elle a toujours bossé, par exemple, même pendant ses études et tout et tout. Enfin, voilà, et on a clairement pas du tout fait le même cursus scolaire. Du coup, sérieux, je m'attendais pas à trouver autant de points de vue de points communs, pardon, entre elle et moi. J'ai été agréablement surprise. Il y a quand même pas mal de ses conseils, en vrai, que je vais voir pour appliquer, ou en tout cas que je vais peut-être voir pour adapter à ma manière, puisque enfin, tout n'est pas à prendre pour argent comptant dans les livres de développement personnel. Voilà, on vous donne juste des pistes sur lesquelles vous baser. D'ailleurs, elle le dit, mais elle-même, voilà, donc elle vous dit, moi, je vous conseille de faire ça, 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 mais vous n'êtes pas obligé, si ça vous convient pas, vous pouvez adapter et tout. Et c'est vrai que j'avais pas mal peur de ça avec les livres de développement personnel, c'est que je sais qu'il y a certains auteurs, pas tous, mais qui vous forcent, entre guillemets, ils vous disent, ça, c'est la seule solution, t'es obligé de faire comme ça, sinon tu n'y arriveras pas, tu seras nul, machin et tout. C'est vrai que c'est pour ça, je pense que j'en avais jamais vraiment lu, parce que du coup, j'avais peur de ça, j'ai été agréablement surprise, comme je vous ai dit. Je pense me l'acheter en version papier pour pouvoir avoir notamment les, enfin, pour pouvoir le relire un peu quand je veux, etc. Pareil, je vous le conseille. Ce qui est cool en plus, c'est que elle fait un peu. Ce que je pense que n'importe qui aurait aimé avoir, en tout cas dans la période lycée, études sup, etc. Moi, ça tombe bien parce que je suis en plein dedans, du coup, vu que là, je vais rentrer en études sup. Elle vous donne à un moment un espèce de petit manuel. Elle vous donne des conseils pour débuter dans sa vie, pour apprendre à se construire, etc. C'est cool parce que c'est vrai que c'est plein de choses comme ça que, en gros, par exemple, l'organisation à l'école, on vous reproche de ne pas en avoir, mais on vous apprend pas à en avoir. Voilà, il y a plein de trucs comme ça où elle donne des conseils pour débuter dans la vie active ou même juste des conseils pour soi qu'on aurait tous aimé, je pense, avoir à l'âge de 15-16 ans quand on est tous un peu mal dans notre peau, etc. Mieux vaut tard que jamais, hein. Mais je vous le dis, voilà, j'ai trouvé ça super sympa parce que c'est vrai que c'est des choses pareilles que j'aurais aimé savoir à ces moments-là, mais que du coup je savais pas. Et voilà. Je radote, je radote. Rassurez-vous, c'est fini. J'espère que la vidéo vous aura plu comme d'habitude. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner.
Et sur ce, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!